Bonjour, aujourd'hui donc on va voir une autre astuce sur Excel. C'est une question d'un abonné. La question est la suivante. Il veut tous les premiers dimanches de chaque mois pour une période et tout ceci avec une formule. C'est ce qu'on va voir donc dans cette astuce. Donc ici, par exemple ici pour l'année 2023, si on veut trouver tous les premiers dimanches de chaque mois, on va faire la formule suivante. On va mettre est égal série jour ouvre un tel ici comme ça. La date donc ici c'est date. Et pour l'année, je sélectionne l'année ici. Point virgule pour le mois, je vais mettre donc ici entre accolades les mois de 1 jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Je ferme la collade. Point virgule. Pour les jours, on va les laisser vides. Je ferme la parenthèse. Point virgule. On va mettre 1, c'est-à-dire les premiers dimanches. Point virgule. Et on va mettre entre guillemets. On veut trouver donc les dimanches. Je vais donc lundi, 1, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et pour dimanche, je vais mettre 1, 0. Et je ferme la guillemets et je ferme la parenthèse et je mets entrée. Donc voilà qu'est-ce qu'il me donne. Je vais donc mettre ici le format d'une ici. Donc ici ce sont les premiers dimanches pour l'année, pour chaque mois, pour l'année 2023. Je vais mettre ici égal à ceci et je vais mettre cette cellule sous forme de le jour pour vérifier. 4G et je tire comme ça. Donc voilà les dimanches de chaque premier mois. Ok, donc ça c'est pour la période pour chaque mois. Si je veux la même chose ici avec cette formule, je veux la recopier donc ici. Voilà, je veux mettre ici la même chose ici, c'est-à-dire le même format. Si je veux juste pour une période, par exemple pour le mois 5 jusqu'à 12, je vais effacer ceci jusqu'ici et laisser juste le mois 5 jusqu'à 12. Je vais entrer. Voilà donc les premiers dimanches ici. Voilà pour cette période. Si je veux mettre égal cette formule et je veux, voilà, donc voilà les dimanches. Il suffit donc de spécialiser ici nombre les mois ou bien la période, ce que vous voulez. Donc ça c'est pour la, c'est-à-dire la formule pour déterminer les premiers dimanches. Si je veux déterminer par exemple le deuxième dimanche, il suffit donc de mettre, au lieu de mettre 1, il faut mettre 2. Donc ceci, c'est le deuxième dimanche de cette période. Donc ici, 1 ou 2, ce que vous voulez. Je vais mettre 1. Si on veut déterminer, c'est-à-dire le lundi, je vais donc remplacer ici le 1. Et à la place ici, le lundi, je vais mettre 0. Donc voilà les premiers lundis pour cette période. Ok? Donc on va refaire la formule autrement. Est égal à série jour ouvre un tel. Pour là, je vais mettre la date comme ça. Date. Et l'année, je vais prendre 2023. Point virgule. Pour les mois, je peux mettre ici ligne. Ici, ligne de 1 jusqu'à 12, je ferme la parenthèse. Pour les jours, je laisse vide. Je ferme la parenthèse. Je vais mettre 1, point virgule. Et je vais mettre, comme on a dit, 1, 2, lundi, 1, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Je vais mettre à 0. Et je ferme la parenthèse. Et je ferme la guillemets. Je mets entrée. Voilà. Si je veux que ceci soit, je vais donc faire comme ça. Si je veux que ceci soit horizontalement, je peux remplacer ici, ligne ici, comme ça. Je transpose ici, je mets transpose, ligne ici, et je ferme la parenthèse et je mets entrée. Voilà donc ici. C'est-à-dire les journées
les dimanches transposés. Ça, ce sont des dimanches. Je vais donc faire voilà. Donc pour cette période, c'est les dimanches et les transposés.